Après 10 ans d'amour, CEST le 11 novembre 2020, Queen Ingrid Chauvin annonçait sa séparation avec Thierry Pétieux. Alors qu'elle est devenue célibataire en même temps que Chloé Delcourt, son personnage dans la série Demain nous appartient, la star a accepté de se confier dans les colonnes de Ciné Télé Revue. Elle a ainsi expliqué, « Alors moi, j'ai un principe, et je le fais de façon très instinctive, si est-il que je sépare vraiment la réalité de la fiction. Quand je suis sur un plateau, si est-il Chloé, et quand je rentre à la maison, si est-il Ingrid. » Alors qu'elle a admis que ce qu'elle peut vivre dans sa vie a des répercussions quand elle joue, la star a ajouté, « On ne peut pas tout gommer, on reste des humains remplis d'émotions, et moi plus que d'autres peut-être. » Mais en même temps, on était en accord. Si elle élève désormais seule son fils, Tom, Ingrid Chauvin est loin d'être seule. Pour l'organisation, j'ai une nounou exceptionnelle, qui me relaie quand je ne suis pas là. Et puis surtout, j'ai la chance, cette année, d'avoir un planning beaucoup plus léger, qui me permet pour mon plus grand plaisir de pouvoir l'amener à l'école le matin ou de le récupérer et de passer des journées entières avec lui, a-t-elle confié. Après avoir révélé qu'elle regardait souvent la chaîne pour enfants Gulli, la comédienne a confié avec amour, le soir, avec mon petit bout de chou, si est-il la course contre la montre pour le coucher. Si est-il un moment où on est tous les deux, et j'aime prendre le temps de ça, d'être entière pour lui. Ingrid Chauvin, j'ai un lien fabuleux avec mon fils en juillet dernier. CEST pour Télévision Magazine que la star avait fait quelques confidences sur sa séparation avec Thierry Pétieux, comme beaucoup de femmes, je traverse des choses parfois difficiles, mais à l'issue de tout cela, je me suis reconnecté avec moi-même. Je retrouve ma liberté de penser et d'être moi. Et j'ai un lien fabuleux avec mon fils. Je renoue avec la vie simple, la nature. Les priorités ont changé. Je vais vers ce qui est bon pour moi et ce qui est authentique. Enfin, la jolie blonde avait ajouté, « J'ai une grande force en moi, je le sais. J'arrive toujours à transformer les épreuves de la vie, oui, j'en ai eu beaucoup. Je peux le dire, je me suis rarement senti aussi bien tout en étant célibataire. Et j'ai envie de le rester pour le moment. Je vais bien parce que je suis quelqu'un de bien, d'honnête et de respectable. Je n'ai rien à me reprocher donc cela va. Et mon fils va bien, si est-il essentiel ?